Salut la gang, on est sur le fleuve Saint-Laurent le 3 janvier 2011. On pêche en eau libre du doré. Fait que ça fait 3 que je sors. On va essayer de filmer ça pour vous. Je pêche avec un jig, une demi-once, puis une perche chaude de 4 pouces de Berkeley. Aucun odorant rajouté. Simplement la technique de jig. Ici, il y a environ 35 pieds d'eau. Très important de sentir le fond avec notre jig, sinon jamais on va prendre des dorés, sauf par accident. Ok, je viens de toucher le fond. Une touche. Des fois, les dorés reviennent morts de deuxième fois. Du moins, c'est ce qu'on pense, mais ça peut être aussi un groupe de dorés, puis c'est celui qui suivait qui vient ils se battre pour l'avoir. Juste de capturer, durant le temps que mon jig descend dans le fond, capturer un beau petit jaune, environ ça de long. Vraiment beau, les couleurs hallucinantes. J'aime ça l'hiver parce que l'eau est plus saine un peu. Comme je disais tantôt, c'est bien important de sentir le fond pour faire des petits bonds à votre jig. C'est l'hiver, on n'est pas obligé d'aller rapidement, mais il faut être dans le fond. Alors, je vais me concentrer, je vous reviens avec un poisson. Il y en a un, il vient de le ramasser, il me l'a bougé 2-3 pieds, il l'a lâché. J'espère qu'il va revenir. Bon, j'en ai manqué un autre. Ça veut dire qu'il a mordu la queue. Puis il a pas attaqué de côté. Oh, il est revenu! Ah ah! Fait que c'est ça, le doré, il est revenu attaquer. Ah, c'est tellement agréable comme sensation. Tu t'amuses avec, tu joues avec. Qui va gagner? Moi, lui, question de présentation. Wouhou! Moins 10.
tellement agréable qu'on oublie de mettre des gants. Oups! J'ai un obstacle ici humain, il est allé s'enfiler alentour. Faut juste être patient. Gardez l'attention, il va se déprendre. Et voilà, il est parti à la gauche. Contrôler son poisson. Oh, il a l'air beau. Pas un monstre, mais... Oh oui, ça c'est parfait pour la consommation. Regardez-moi ça. Un beau doré d'environ... Pas loin de 16 pouces. Super. Et voilà. Pris qu'une part chaude. Et voilà. Alright, on continue. Un beau petit doré d'hiver, Bruno. Et voilà. Oui, monsieur. Hein? Un autre beau jaune. Il y avait quelques-uns, tu prends tout tantôt, hein? Ah, ça fait 6-7, là. Ouais, c'est très bon. Il n'est même pas midi, je pense. Fait que... C'est très bon. Le poisson est actif. T'as pogné la fosse où il se promène pas mal. Ouais, c'est sur des barres chaudes. C'est ça, il mange. Le petit mené Berkeley, là, ouais. Pour avoir un mené perche. On remet ça à l'eau. Ouais, bon. On va faire un plus gros bébé avec plus tard. Bon, notre ami Bruno, ça a l'air qu'il a rapporté une belle journée de pêche aujourd'hui. Il a pris environ, il est presque à 25 dorés aujourd'hui. Check sur quoi qu'il a mordu? Il a mordu sur un verre que le monde utilise pour la chigane, puis la bouche d'habitude, puis la grande bouche. Un verre de plastique bleu électrique. Environ 7 pouces, il a gobé le verre au complet. Ouais. Puis là, Bruno, il est rendu. Monte ton doré un peu plus haut. Fait que c'est de même, c'est ça. Ouais, là, on le voit mieux. Là, je t'ai mieux, que je suis mieux de cadrer. Regarde. Il est vraiment beau, doré noir. Il est en forme au bout. Ouais. Fait que là, t'es rendu à presque 25. À l'oreille, ouais. À l'oreille. Ah, absolument. On met ça à l'eau? Ben oui. À l'autre bord. On va le voir partir. On va regarder une couple de secondes. Ouais, va-t'en. Bon, salut.